Mr. Koreshumwa. Mr. Koreshumwa. Yes, yes. Et aujourd'hui, et il y a avec mon pote Simbizi Wasema. Simbizi Afumba qui fait perdre le temps. Qui a perdu Mr. Gutaka Zomra. Mr. Gutaka Zomra en Kirundi. Et aujourd'hui, yes. On va en français, monsieur. On va faire une interview en français. En français. 100% français. Mais toi, c'est toi, Linda Lacosta. Moi, c'est un garçon. Le nom Linda Lacosta, c'est le nom de la mère ou bien de la fille. Le fanatisme d'où ça vient, c'est à part parce qu'il y a les petits. Et qui a vient de la Sadbi avant moi. Tu faisais partie du Satura, du team Satura. Depuis déjà quitté le groupe et parce que ce n'est pas la fanzi. Maintenant c'est la présente Mr. Koreshumwanya. Et j'étais Télisat, mais maintenant c'est Koreshumwanya. C'est Koreshumwanya. Le langage de Sadbi a été en part. Parce que moi maintenant il a le content avec Simbizi et Koreshumwanya. Toi tu as Koreshumwanya, tu as tu as Nani Koreshumwanya avec Flipji TV. Ali aujourd'hui c'est trop dur aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est trop dur parce que la française c'est une langue d'eau, les français. Les français, mais maintenant c'est le Burundais avec parler la français très belle. Parce que les musiciens de Burundais, j'ai cassé tous les missions. Parce que j'ai le sang qui a gravé. J'ai Mouyabaga en Kirundi, Mouyabaga. Tu es si jeune. Je suis jeune. Le content de Koreshumwanya, c'est très différent des content de n'importe qui les présente avec les présente de TV Online de Burundi. Et toi, Simbizi, tu as dormi avec le terrain de Place 257. Maintenant, Koreshumwanya, tu as. Et fort, please fort. Andri promote ses mensonges. Parce que tu as. Avec Koreshumwanya. Oh, Koreshumwanya. Akesdani, c'est escroc. C'est l'escroc. Tu as les frères. Ali Pakimouki en Kirundi, Nariha. Les jours qu'il a travaillé avec Wakalai TV, il n'y a pas de quelque chose avec Akesdan. Il faut parler à Ousley de m'amener mon téléphone. Et sinon, merci beaucoup, messieurs. On va voir le déluge. Merci beaucoup, messieurs. Les fans de Wakalai TV, je vous remercie avec un grand remercie. Et merci beaucoup. Je love. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Ladies and gentlemen, bonjour. Bonjour. On vient de me voler mon téléphone. Celui-là a amené un voleur chez moi. Pourquoi t'es amené le voleur pour me voler mon téléphone? Wesley, c'est le petit frère de toi. Petit frère de moi. C'est le petit frère de toi. Parce que il y a pas de problème. Parce que c'est la famille. C'est la famille. Qui combattre. Alors, c'est la famille qui combattre comment? Alors, toi, tu m'avais appelé. Tu m'avais dit, oh, Idriss, j'ai besoin d'une interview. J'ai un entretien avec toi. Et puis, tu es venu avec Wesley. Pourquoi tu es venu avec Wesley alors que Wesley avait un mauvais humeur envers moi? Bon, Wesley c'est mon ami. Wesley c'est mon ami. Depuis en 2013, et Wesley c'est mon ami. Et parce que toujours les enfants, il y a les enfants, il a joué avec le ballon. Les Mabi, les Buchopi. Et il a joué avec Wesley depuis longtemps. Wesley a grandi à Moussaga. Et toi, tu es moi, du Nord. Il a visité. Tu es à Kamenge, toi. Il a visité trop à Moussaga. Toi, tu as visité trop à Moussaga. Yeah. Quand?
en 2005 et 2006, j'ai visité Amsaga parce que si, il y a de la famille qui a nani Amsaga. Qui quoi? Comme présentation, il s'appelle Mr. Koreshimwa. Mr. Koreshimwa. Yes, yes. Et aujourd'hui, et il y a avec mon pote Ismaël Simbizi Wasemavu. Simbizi Afomba qui fait perdre le temps. Qui a perdu Mr. Gutaka Zomra. Mr. Gutaka Zomra en Kirundi. Et aujourd'hui, yes, on va parler en français, monsieur. On va faire une interview en France. En français, 100% français. Yes. 100% français. Et je, avant tout d'abord, je vous salue avec une grande salutation. Et à mon fans, à la fans de Wakala TV. Et bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors, yes. Je veux savoir, dans combien de temps tu es dans son métier? Il y a un an. Il y a un an. Mm-hmm. Alors, mais toi, c'est toi Linda Lacosta? Non, ce n'est pas moi Linda Lacosta. Linda Lacosta, c'est Linda Lacosta parce que moi, c'est un garçon. Le nom Linda Lacosta, c'est le nom de la mère ou bien de la fille. Mais moi, c'est le garçon. Linda Lacosta, je ne sais pas, monsieur. Yeah. C'est quoi votre relation avec cette fille? Relation avec Sadbi, c'est depuis longtemps j'ai une fanzi de Sadbi et depuis longtemps, mais maintenant jusqu'à maintenant c'est la présente de Wakala TV et le fanatisme de Sadbi c'est à part parce que il y a les petits qui vient de la Sadbi avant moi. Les nouveaux fans de Sadbi, parce que moi j'ai grandi. Toi tu faisais partie du Satura, du team Satura. Depuis déjà quitté le groupe, et parce que ce n'est pas la fanzi maintenant, c'est la présente Mr. Koreshimwa. Mais depuis longtemps il y a le nom de Terry Sat, parce que il y a les fans de Sadbi. Parce que ça, c'est Sadbi. Il y a la fanzi de Sadbi. Mais maintenant, Avant, tu étais Terry Sat. J'étais Terry Sat. Mais maintenant, c'est Koreshimwa. Yeah. Alors, mais tu as travaillé sur la page Linda Lacosta. On entendait ta voix. Non, ce n'est pas moi. C'était toi, monsieur. Non, ce n'est on pas moi, monsieur. Le nom là, parfois, on t'appelait comment? Sur la page là. Terry Sat. Non, pas Terry Sat. Il y a l'autre. C'était qui sur la page? Sur la page, il avait une voix. Bon, comme tu es une fan de Sadbi, tu connais. Je crois que tu es habitué à la voix. Ce n'est pas moi. Qui passait sur la page de Linda Lacosta. Ce n'est pas moi, monsieur. Parce que les fans de Sadbi, c'est pli. Non, la voix qui passait sur la page de Linda Lacosta, la voix d'un homme, c'est la voix de qui? Je ne sais pas. Parce que c'est pas c'est moi. Qui c'est tout. Le nom là, sur la page Linda Lacosta. Parce que même là, Linda Lacosta, c'est une fan de Sadbi. Linda Lacosta, c'est une grande fan de Sadbi. Alors, yeah. Je crois que tu connais les voix qui passent sur la page. Non, ce n'est pas moi, messieurs. Ce n'est pas moi. C'est qui alors le nom là? Il s'appelle comment le type là qui fait des reportages sonores? Des reportages audio sur la page? C'est... Il s'appelle comment? Non, monsieur, vraiment... Non, mais ce n'est pas moi, parce que la fanzi de Sadbi, c'est... Juste le nom de l'homme qui fait des voix off. Monsieur. Il s'appelle comment? Moi? Non, c'est pas toi. Mais je veux savoir le nom. J'ai oublié. Continuez, monsieur. Le langage de Sadbi derrière. Parce que moi, maintenant, il a le content avec Simbizi et Koreshimwa. Moi, ce que je voulais faire, c'est juste partager ton parcours. Je veux que les gens qui nous suivent sur ma page, Simbizi Wasemavu, puissent savoir qui est au juste Koreshimwa. Parce que il y a des personnes qui pensent que Koreshimwa, c'est Linda Lacosta.
Et alors, on voit que chez moi, il y a chez Wakalai TV, et puis on l'entend sur les pages de Linda Lacosta. Tu as déjà passé sur l'autre TV, là, c'était quoi? Dernièrement, Flip GTV, j'ai travaillé la Flip GTV avec Kore Shumanya. Simbizi, toi, tu as Kore Shumanya, tu as. Tu as une avec Flip GTV. Mais depuis la fin de Sadbi, Simbizi, il n'a pas Kore Shumanya. Il a Kore Shumanya, continue. Aujourd'hui, c'est trop dur. Aujourd'hui, c'est trop dur parce que la française, c'est une langue d'eau. Les français. Mais maintenant, c'est le Burundi avec parler la français très belle. Très belle. Alors, maintenant. Tu es sur Wakalai TV. Yes. Tu es venu avec une stratégie. On te frappe toujours. Comment alors tu supportes tous les coups qu'on te donne? Parce que dans toutes les émissions, sauf l'émission que tu as fait aujourd'hui, que Wesley m'a volé mon téléphone. Que pour récupérer son micro, tu dois remettre mon téléphone. Tu vois. C'est la seule émission qu'on ne t'a pas frappé. Les autres émissions donnent des coups, des super coups. Même fois, je t'ai vu avec une bande, on t'avait cassé la tête. Alors, pourquoi son genre? C'est la contente. La contente, parce que les musiciens de Burundi, j'ai cassé tous les missions. Tu as cassé toutes les missions. Maintenant, parce que c'est Kore Shumanya qui... Kore Shumanya aussi, les travailler avec... plus fort parce que j'ai le sang qui a gravé parce que j'étais petit à 20 ans, j'ai Muyabaga qui l'ont dit Muyabaga. Tu es si jeune. Je suis jeune et j'ai le vieux nom. Je suis jeune parce que tu as travaillé avec plus fort. Le content de Kore Shumanya, c'est très différent des contents de n'importe qui les présente avec les présentes de TV Online de Burundi. Et toi, Simbizi, tu as dormi avec le terrain de Place 257. Maintenant, Kore Shumanya, tu as. Fort, plus fort. Moi, je n'ai pas dormi, mais je crois qu'avec cet entretien que je viens faire avec toi, je vais me réveiller. Ok. Et alors, il y a des gens qui disent que tu passes sur les traces de l'André Pomota. Parce que, si on parle de Wakalai TV, il y a André Pomota qui a fait pour ce que nous tous, si on entend Wakalai TV, on voit directement l'André Pomota. L'André Pomota, premièrement, c'est mensonge. L'André Pomota, c'est mensonge. Parce que tu as... Parce que l'André Pomota. L'André Pomota, tu as menti. Tu as menti avec. C'était menteur avec moi. Parce que l'André Pomota qui a venu avec Kore Shumanya, oh Kore Shumanya, Akesdani, c'est l'escroc. Tu as les frères Aripaki Muki en Kirundi Nariha. J'ai l'André Pomota. Est-ce que l'André Pomota, les jours qui a travaillé avec Wakalai TV, il n'y a pas de quelque chose avec Akesdani? Oh, mes petits messieurs, l'Akesdan, il a amené l'hypocrisie avec le présentateur, travailler avec Wakalai TV. Maintenant, et toi, même chose, moi, j'ai parlé avec l'André Pomota, avec l'André. Akesdan, c'est trop facile, le jeune d'eau très 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 fort, très très
intelligent. Qui? Intellectuel. Yeah. Mm-hmm. Akizan, c'est intelligent. Mm-hmm. Intelligent avec en Kirundi, Kwibaruka. Mm-hmm. Akizan, c'est le parent de les jeunes, plus jeunes, avec This is Mike. Mm-hmm. Yeah. Mais moi aujourd'hui, aujourd'hui c'est le mot Mike. Mmh. Il y a le Mike de moi. Moi, Koreshumwa Nyaya. Et il y a maintenant, ce jour-là, il y a pillé avec le dossier de Wesley qui a. Non, rattrapé. Je vais te retourner ton micro. Parce yeah. que tu viens de mon faire erreur aujourd'hui avec ton entretien. Je vais te donner ton temps. Et puis l'interview a bien passé. Yeah. Et je ne sais pas si tu as quelque chose que tu peux dire à tes fans, à les gens qui nous suivent. Ah bon, les fans de Wakala TV, je soutiens avec prix grand. Ils ont vu Katapé. Qui doit être payé? C'est ma vidéo. Non. C'est ma vidéo. C'est ma vidéo. C'est ton vidéo, c'est ma vidéo de Wakala TV parce que l'appareil qui a. L'appareil de Wakala TV. C'est l'appareil de Wakala TV, c'est le micro de Wakala TV. Et je suis avec de Wakala TV en personne. L'homme en personne. Monsieur Koreshumwa. Alors. Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans? Les fans, parce que non, moi, pas tes fans, c'est à mes fans d'abord, parce que c'est sur ma page. Yeah. Simbizi Wase Mavumba, tu as l'homme de valeur. Il y a l'homme qui a travaillé avec prix fort, comme Mr. Koreshumwa, comme les gens qui ont passé là. L'année passée, car Simbizi qui a supporté Simbizi Wase Mavumba avec Project Z, il y a la chaîne de Moyambiri, il y a supporté de subscribe avec like, avec comment, parce que tu parlais avec Queen Dinambi. Ok, yes. Je te remercie, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Alors, parler le français, belle français. Alors, je te retourne ton micro. Yeah. Il faut parler à Wesley de m'amener mon téléphone. Et sinon, merci beaucoup, monsieur. On va voir le déluge. Merci beaucoup, monsieur. Les fans de Wakala TV, je vous remercie avec un grand remercie. Et merci beaucoup. Je love. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Bye bye.